pour le compte du musée d'Orsay. Dont vous avez souhaité faire don à la France et au musée d'Orsay. Et c'est l'acte que vous venez de signer. Marlène Hayes, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Monsieur Spencer Hayes, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Don't drink too much champagne. Cher Marlène Hayes, cher Spencer Hayes, vous faites à la France le don le plus précieux, celui de votre collection, mais celui du geste que nous attendons tous et que nous devons partager, l'accès de tous à la culture. Et votre acte, votre donation, honore la République française. Les gens qui vous connaissent savent que c'est aux alentours du 14 juillet et du 7 décembre que votre collection s'enrichit, car il s'agit des dates de vos anniversaires. Et cette année encore, vous, Marlène, vous avez offert à Spencer un Matisse. Et vous, Spencer, vous avez offert à Marlène un Modigliani. Ce n'est pas facile d'être à la hauteur ensuite. When Marlene and I grew up in a little town in Gainesville, Texas, even visiting France was far beyond our great expectation. But in 1971, we made our first trip to Paris, and our love affair with this wonderful company began. French art has quickened my step, fired my spirit, and touched my heart. We've built a collection with pleasure and resolve to focus on the paintings we love by Degas, Renoir, Modigliani, Matisse, but especially those by the great Nabi painters. And after our death, our collection will be gifted to the French people for the benefit of art lovers around the world. But even more important to us, this collection is our legacy. But what's really our legacy is my grandchildren, would you stand? That's my real legacy and Marlene's legacy.